vigilant. Qui intervient? Tagana, bonjour. Bonjour, honorable chef. Bienvenue donc dans les grandes gueules Rasta. Vous avez suivi hier l'ordonnance prise par le chef de l'État et quelques opérateurs culturels ont été reçus dans ce studio. Et dites-nous comment vous avez accueilli cette prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que ça fait les affaires du monde de la culture dans notre pays? Glory to the Father, the Son, and the Holy One of creation, and that was in the beginning, is now, and ever shall be, Jah, without end, holy man, well, I think, last day, Jah, after far, I blessed and sanctify God, and here. Amin Allah, Amin Allah, Amin Allah. Amin. Donc, vous voyez, moi, je veux qu'on reste confiné jusqu'à décembre prochain de 2021, parce que, voilà, on est habitué, quoi, on est habitué de tout ça. Parce que, on est habitué de tout ça, parce que, voilà, c'est trop exagéré. Quand ça vient jusqu'au collet, on ne sait pas comment réagir maintenant, tu vois. Parce que nous, on a sorti tous les 1000 degrés, par rapport à ça. Mais ceux qui jouent sur le milieu culturel, c'est la désunion, entre les acteurs, entre même les artistes. Chacun veut se débrouiller tout seul et faire son petit bout de chemin. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous voyez, les artistes, ils vivent de leurs prestations, ils vivent de tout un tas de choses que quand on reste confiné, beaucoup d'artistes sont dans la merde. Moi, je pense que c'est une façon pour le système de garder les artistes dans leur pauvreté et qu'ils puissent les manipuler à leur propre fin. Oui. C'est ce que je trouve. Mais Takana Zion, comment changer la donne? Est-ce que vous allez rester comme ça, inactif, après cette ordonnance, alors que les meetings politiques continuent, les rassemblements politiques continuent, bientôt la campagne électorale, et vous, on vous interdit de faire vos activités culturelles? Est-ce que vous allez rester les bras croisés? Moi, je continue à faire mes activités culturelles. Je viens d'enregistrer 2 albums et je vais les vendre très cher dans le monde entier et ici même en Guinée. Bien. Puisque je n'ai pas le moyen de réunir tous les artistes guinéens ou d'être dans un groupe d'artistes ou un mouvement d'artistes conscients qui se battent pour la même cause et le même idéal, donc je bouge aussi à ma façon. Moi, je reste ferme sur ma position que, avec tout le respect que j'ai pour le professeur Alpha Condé, qui est un grand-père ou un père pour nous, que nous ne sommes pas pour son 3e mandat. Ouais. Il est certainement manipulé par des personnes qui sont autour de lui, qui l'encouragent. Le peuple est fatigué de tout ça. Les gens ne sont pas pour Alpha Condé. Si vous voulez maintenant dépenser de l'argent, continuez à gaspiller de l'argent. On va manger, on va manger, on va manger. Après, les gens nous vont parler. Parce que cette fois-ci, à partir du 18 octobre, Alpha Condé, moi, personnellement, n'est pas mon président. Moi, à partir du 18 octobre, quand les votes sont terminés, Alpha n'est pas mon président. C'est ça. Il n'est pas mon président. Bien. Donc, on ne restera pas confinés. Bien. Ceux qui vont rester confinés dans leur bureau avec leur maladie et ils n'auront qu'aller se soigner là-bas en Europe parce qu'ils n'ont pas construit des hôpitaux décents pour soigner leur population. Est-ce que vous comprenez? Oui. Nous ne sommes pas avec ce système-là. Il faut que les gens apprennent à dire la vérité à Alpha Condé. Il a 92 ans, il n'a aucune capacité, ni physique, ni morale, ni intellectuelle, de diriger la Guinée. Bien. Alors, il faut que ça s'arrête. Bien. Voilà. Takana. Nous avons parlé de 1000 manières, on s'est soumis, j'ai même fait des vidéos pour demander pardon, pour faire appel à sa sagesse en tant qu'une personne âgée, comme lui, et pour qu'il comprenne les souffrances du peuple. Nous sommes 16 ou 12, 14 millions de citoyens guinéens. Alpha Condé n'est pas le seul Guinéen capable. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont capables de diriger. Après, des escrocs et des hypocrites te diront non, mais à part Alpha Condé, il y a qui? Mais à part Alpha Condé, moi-même je peux diriger. À part Alpha Condé, Dilassi peut diriger. À part Alpha Condé, n'importe quel Guinéen qui a une certaine éducation, connaît les souffrances, qui connaît les réalités du pays, peut diriger la Guinée. Bien. Alors il faut que ça s'arrête. Bien. Aujourd'hui, l'homme propose, mais Dieu dispose. Est-ce que vous êtes certain que les élections même auront lieu? Parce que là, comme ils sont en train de s'entêter à aller au bout de leurs idées, à forcément vouloir, comme on appelle, briguer ce 3e mandat, organiser des élections, n'est-ce pas, et brigander le peuple, intimider les gens, violenter nos mamans, ils sont en train de se battre avec l'éternel, et personne n'est ami avec l'éternel. Le pouvoir de l'homme n'est que passager. Alors il est inutile de se dresser devant des gens, et comme on appelle, qui sont déjà au bout de leur souffle. Moi je ne m'accroche pas sur un arbre tombant, et je ne parie pas sur un cheval qui a un pied cassé.
Donc je ne peux pas voter Alpha Condé. Et je conseille à tous mes fans et à toutes les belles personnes, tous les bons citoyens guinéens, de ne pas voter pour Alpha Condé. S'il vous donne de l'argent, s'il vous donne du riz, mangez-le, mais ne votez pas pour ce vieillard, parce qu'il risque de compromettre l'avenir de nos enfants et des futures générations de la Guinée. Il faut que ça s'arrête. Le message. Nous sommes fatigués. Les artistes sont en train de mourir de faim ici parce qu'ils n'arrivent pas à travailler. Ils n'ont pas de concert. Oui, ils ne sont invités nulle part. Ils sont obligés d'aller de bureau en bureau pour vivre. Quelle dignité dans ça? Il y a quelle dignité dans ça? Ils veulent tuer tout le peuple. Il n'y a aucun secteur qui bouge. Walu ara hawali nayong. Ara wali mundu nayong. Est-ce que wali deyam folorne? Est-ce que wali de folorne? Alpha wali mundu folorne. Alpha Condé est professeur, au lieu de nous construire des universités, hein, pour qu'on puisse donner une éducation décente à nos enfants, c'est les hôtels qu'on nous construit, c'est les hôtels qu'on construit, hein, pour qu'on termine tous comme des bordels et on va passer toute notre vie dans cette perversité. Que Dieu il nous sauve de ces mécréants-là. Aïe, c'est la CIA. Dieu, Rastafari. Chaque matin dès 9h, car le pouvoir, c'est vous.